On se retrouve pour ça. Bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour viens boire un café avec moi, comme tous les lundis, ou presque. Alors comment s'est passée votre semaine? Vous allez me le dire en dessous en commentaire. Alors ma semaine à moi, ça a été, on va dire un peu comme les autres, hein, vu que j'ai pas repris le travail. Je reprends lundi prochain. Donc bah, j'ai hâte hein, de reprendre. Oui, je suis peut-être folle, mais j'ai hâte. Hein, j'aime mon travail, donc ben voilà. Hâte de reprendre, et je crois même que je reprends en journée syndicale. Donc on va reprendre tout doux, même s'il y a quand même du travail. Mais ça va faire du bien de retrouver une activité. Alors cette semaine, cette semaine-là va être beaucoup chargée. La semaine dernière, ça a été calme. En plus, on a eu un temps, mais je ne sais pas vous, mais alors un temps, mais pourri. Quand je vous dis pourri, c'est du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire qu'il a fait que de pleuvoir. C'était comme de la pluie, mais toute fine. Après, il y a eu des tempêtes, il y a eu du vent, mais un truc de dingue. Il faisait pas spécialement froid, mais c'était humide. Donc, ça passait partout. Je déteste ça, l'humidité. Ouais, ça a été pas trop cool au niveau du temps, donc bah t'as pas spécialement envie de sortir quand c'est comme ça. Pareil, bah du coup sur mes heures de sortie, j'ai pu continuer chercher mes recherches. Donc cette semaine, bah, je visite encore des maisons, donc croise les doigts. Et puis là, cette semaine, ouais, j'ai rendez-vous, j'ai pas mal de rendez-vous. Cet après-midi, je vais à l'éthiopathe. Dans la semaine, je retourne, bah, vous savez, voir le cardiologue parce que j'avais encore d'autres examens à faire, donc fallait les faire après. Puis, bah, ils ont tellement de rendez-vous que voilà. Et puis, du coup, vendredi, je revois mon chirurgien donc pour la reprise. Donc voilà, j'ai hâte. Donc voilà, la semaine, elle a été dans l'ensemble assez calme. J'ai reçu des propositions pour un partenariat, donc je vous en parlerai bien évidemment parce que j'ai reçu le colis. Donc j'ai été surprise d'ailleurs des personnes qui sont venues vers moi, mais donc ça y est, oui je regarde parce que le colis il est par terre. Il est déballé, j'étais comme une gamine, mais en tout cas trop bien. Donc c'est des produits que je voulais tester en plus depuis très longtemps, mais c'est vrai que j'ai pas pris le temps d'acheter un ou deux produits. J'avais testé, je crois, un produit, parce que j'ai Garancia, puis il y a d'autres marques. Donc voilà, donc j'en reparlerai. Donc faut que je les teste. Donc en plus j'ai le temps pour les tester, donc ça c'est d'autant mieux, hein, parce qu'on peut bien parler du produit. Donc voilà, on verra ça ensemble. Sinon, ben voilà, hein, la page de, ben c'était TheDean41, ma chaîne maintenant, c'est devenu Sweet Dean Makeup, et la page Facebook, donc elle est ouverte, donc mon compte, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas suivi, parce qu'en fait, ils n'ont pas eu les infos, je pense. Donc en fait mon compte make-up, moi ça me permet si vous voulez de suivre les youtubeuses que je suis ou les pages ou autres. Je vois un peu plus clair parce que c'est vrai que quand on a un compte privé dans le fil d'actualité en fait on voit tout. Moi je voyais tous mes abonnés de vous et ça m'agaçait un peu dans le sens où j'ai pas rentré dans votre vie privée. Vous êtes un peu dans la mienne parce que je le veux et parce que je dis ce que j'ai envie de dire, hein, voilà. Mais je veux dire, j'ai pas à voir vos enfants, j'ai pas à voir vos familles, j'ai pas à voir tout ça. Alors des fois, je m'étais ne plus suivre pour pas voir, mais c'est vrai que ben il y en avait plus de 600, donc c'était pas évident. Et en fait, je n'arrivais même plus à voir moi, du coup. J'arrivais même plus à voir ce que je suivais. Donc j'ai préféré. Puis la page, c'est nettement mieux. Je trouve que, enfin pour moi, c'est mieux. Alors j'ai déjà eu des trolls, bien évidemment. Donc ça, on les bloque un peu comme sur YouTube. Mais je crois que de toute façon, on ne pourra rien y faire. Parce que ça, c'est sur tous les réseaux, de toute façon. Il y en a qui adorent faire ça. Je ne sais pas ce que ça leur apporte. Une sensation de jouissance, on va dire. Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vrai que bon, allez, moi je fais ma passion. Et puis basta, on essaye que ça passe au-dessus. C'est pas évident, hein. C'était Rose Carpette, je crois, qui avait fait un thème, une thématique sur ça, sur le harcèlement, sur les mauvais coms, enfin sur plein de choses comme ça. Mais ça va tomber ça. Mais c'est vrai que ça continue. Donc j'ai eu déjà des coms comme ça. Alors il y a la jalousie aussi, hein, qui rentre beaucoup dedans. Il y a.
C'est un peu pénible tout ça. Chacun fait ce qu'il a envie de faire et puis qu'on s'occupe pas et puis qu'on nous foute la paix. Donc bah, la page AIE, elle est ouverte. Du coup, donc je vous invite pour celles qui n'étaient pas au courant, vous avez le lien en barre d'infos. De toute façon, c'est Sweet Dean Makeup. Vous tapez dans votre moteur de recherche de Facebook, vous aurez ma page. Et vous pouvez aussi laisser un avis au niveau de la page, bien évidemment, ce que vous pensez, tout ça. Non, c'est exactement ce que je faisais sur mon compte Facebook, hein, ni plus ni moins. J'ai fait mon premier live jeudi, je crois. Oui, donc ça nous permet d'échanger vraiment beaucoup plus en direct. Et j'aime bien parce que là, je vous parle, mais j'ai pas de réponse. À part en écrit, mais étalé. Que là, au moment des lives, c'est vrai que c'est tout de suite maintenant quand on parle et j'aime beaucoup. Donc souvent je le fais au moment où je me démaquille parce que je vous montre beaucoup de routines démaquillage parce que j'en ai plusieurs. Donc là je vous ai montré avec la lingette, la serviette lingette, oui comme vous voulez, de chez Action. Et qui est très 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 bien pour ma part. Et c'est vrai que je vous montre plusieurs produits, plusieurs soins et puis plusieurs façons de se démaquiller. Donc voilà, parce qu'il y a toujours des femmes ou des jeunes filles qui c'est comme moi, j'apprends beaucoup de choses qui ne savent pas. Donc j'essaye d'apporter ça sur ma page et sur ma chaîne. Oui, oui, oui. Donc voilà, donc toute façon, comme j'ai dit, toute personne qui sera pas cool sera bannie de toute façon. Donc c'est, voilà, quand on a une passion, quand on vient faire une passion, c'est pour passer des bons moments, c'est pas pour t'en prendre plein la gueule et ou en mettre plein la gueule à d'autres. Enfin, c'est pas trop mon truc, mais bon, c'est le truc de certains, donc c'est pas cool, mais bon, on va dire, c'est dans l'air du temps, j'ai envie de dire. C'est un peu sur tous les réseaux comme ça, malheureusement. Hein, donc, mais bon, après, faut laisser et puis faire ce qu'on a envie d'aimer. Donc voilà, donc c'est vraiment super. En plus de ça, je sais très bien que je suis aussi regardée extérieurement, on va dire, par d'autres personnes qui surveillent un peu ce que je fais. Comme quand j'avais fait les viens boire un café avec moi, vous vous souvenez, à un moment donné, donc on surveille un peu tout ce que je fais, donc allez-y, surveillez, ça m'est bien égal. Après, je montre ce que j'ai envie de montrer, je dis ce que j'ai envie de dire, donc après, partant de là, c'est comme ça. En tout cas, cette page-là, elle est vraiment pour passer un bon moment, pour apprendre des choses, pour vous montrer des choses, et voilà, ça va être... pour moi, une continuité de ce que je faisais d'avant, mais c'est beaucoup plus simple pour vous. Et puis, beaucoup plus simple aussi quand je parle de certains produits comme là, que je peux recevoir et puis redonner mon avis aussi pour les marques ou autres, c'est vrai que c'est d'autant mieux. Alors, vous pouvez pareil laisser des messages en MP, laisser vos commentaires, laisser vos avis, tout. Donc, du coup, voilà, je vous invite à aller me suivre sur Sweet Dean Makeup. Et je vous remercie aussi parce qu'on est plus en plus nombreux sur Instagram. Ça me fait énormément plaisir parce qu'Instagram c'est un réseau que j'adore et vous savez que je m'étais fait pirater mon compte. J'ai refait un compte et tous mes réseaux de façon c'est Sweet Dean Makeup. Voilà. Alors pourquoi Sweet Dean Makeup? J'ai expliqué dans mon live. Je cherchais un nom, j'avais pas envie d'un nom coin. Alors il y avait Le Monde, il y avait Le Journal, enfin il y avait des choses qui me parlaient mais sans plus. Et j'ai essayé avec certains abonnés de chercher le nom de cette page aussi parce que c'est, comme tout le monde dit, hein, c'est, je vais pas dire c'est à vous parce que ça m'appartient d'abord, mais c'est vous aussi qui me regardez et qui aimez le contenu. Donc il y a quand même un minimum, j'ai envie de dire, mais je sais pas à vous, hein, c'est à moi. Non parce que quand j'entends c'est tout est à vous, vous faites ce que vous voulez, mais quand on vous dit quelque chose ça va pas du tout, donc non pas moi, hein. Donc voilà, donc on trouvait pas et puis ce qui m'était proposé ça me plaisait pas et puis là j'ai eu le tiring. J'ai ma petite sœur qui me connaît par cœur et qui connaît tout vis-à-vis de moi, donc du coup c'est elle qui a trouvé le concept paillette ou gourmandise, enfin pas le concept, le nom. Après, c'est moi qui ai pensé dans paillettes. D'ailleurs, ça fait un petit moment que j'ai rien posté sur paillettes ou gourmandises. D'ailleurs, si vous passez par là, dites-moi ce que vous pensez de ce concept-là, parce que j'ai l'impression que c'est pas, ça vous
plaît pas spécialement. Donc si ça vous plaît pas, j'arrête. Autant que j'arrête, et puis voilà. Si ça vous plaît, faites-le moi savoir. Et puis je continue dans le sens. Donc des recettes avec ma mounette. Et puis paillettes, je vous parle de tout ce qui m'apporte le petit côté paillette. Alors, des produits vraiment avec des paillettes, mais je vais aussi vous parler des produits coup de cœur. Ça, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Donc voilà. Sinon, quand je lui ai demandé, donc elle m'avait mis en français sucré et maquillé. Et là, ça m'a fait tilt, parce que sucré, je suis gourmande, maintenant, bien sûr, dans la limite du raisonnable, hein, mais je suis gourmande, et pas que ça. J'aime les choses sucrées, comme le mot paillette, les choses sucrées, ça peut être les odeurs de parfums sucrés, j'adore ça. J'aime les photos gourmandes, des macarons, j'adore les macarons, de toute façon, je me demande ce que j'aime pas. Hein. J'aime les photos et tout, même ça fait très longtemps dans le temps. J'avais posté, à un moment donné, je postais régulièrement des photos de gourmandise sur mon compte, et ça, j'adore ces photos-là. Voilà. Et maquillée, bah, évidemment, j'aime le maquillage, donc je me suis dit, pourquoi pas. Et avec une copinote, j'en ai parlé, elle me dit, ouais, j'aime bien, et je lui dis, mais en anglais, j'aimerais mieux. Et du coup, est née Sweet, mais Sweet, voilà. Donc une autre abonnée me dit, oui, mais c'est plus doux. Bah, je suis douce aussi. Quoique, je peux être brute. Et moi, quand je l'ai traduit un peu sur traducteur Google, il me disait le sucre, voilà, sweet, c'était sucré, tout ça. Enfin, quand je tapais sucré, c'était sweet. Donc, Sweet Dean Makeup. Donc, ma petite sœur, je t'aime fort d'amour et je te remercie beaucoup de m'avoir encore aidée et de m'apporter ce nom-là parce que je l'aime beaucoup. Et du coup, ça a plu vraiment à tout le monde. Et ça, c'est vraiment génial. C'est une aventure qui est vraiment super, 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 super. C'est vraiment trop bien. Donc voilà. Sinon, je voulais vous en parler parce que certaines m'ont demandé. Alors, vous savez qu'il y a la BeautyTube Academy avec L'Oréal et YouTube qui s'est faite cette année. C'était tout nouveau, dont la participation de Nicole Tonnel. Et Nicole Tonnel, pour moi, c'est une amie sur le virtuel. Et j'espère bien vous rencontrer depuis 5 ans que j'ai commencé ma chaîne. Ça a été l'une de mes premières abonnées et on s'est toujours suivi. Elle m'a toujours soutenue, elle m'a apporté quand même beaucoup de choses au travers de ses vidéos, de ses vidéos conseils. D'ailleurs, Nini, si tu passes par là, je sais que t'as pas beaucoup de temps, mais j'aimerais bien que tu refasses des vidéos conseils, des vidéos make-up et tout. J'aimais bien ces vidéos-là, mais je sais que t'as pas beaucoup de temps. Mais voilà. Et Nicole donc est venue me proposer de, parce qu'elle défend, et ça je trouve ça génial aussi, il en faut pour tout le monde. Les femmes majuscules et à partir de 40 ans, et j'ai 40 ans, voilà, mais bon, on a tout droit à la beauté, on a tout droit aux soins, on a tout droit à tout, et elle m'a proposé de faire partie de cette aventure. Alors j'étais très, mais alors super contente déjà de sa proposition, ça m'a énormément touchée, et ensuite... je savais pas trop quoi faire parce que voilà, c'est encore mon travail qui me bloque. Du coup, je peux pas savoir les dates avec la BeautyTube parce que ils savent pas tout non plus en avance. Mais moi, là où je travaille, il faut que je donne, par exemple au mois de janvier, toutes mes dates de vacances à l'année. Après, si on a certains rendez-vous, mois par mois, on peut le dire, mais on peut pas changer de planning comme ça, parce que c'est du 15 au 15. Et moi, j'aime pas emmerder mes collègues. J'aime pas qu'on m'emmerde, donc j'aime pas emmerder mes collègues. Donc du coup, quand ma fille est malade, jamais j'ai demandé à changer quoi que ce soit. Quand j'ai un rendez-vous, je le prends sur mes jours de récup, de RTT ou de repos. J'évite de demander de passer du matin ou du soir. Enfin, tout ça, j'évite de pas faire chier mes collègues. Moi, je n'aime pas ça. Puis j'aime pas qu'on vienne dans mon confort, dans ma bulle. Quand j'ai prévu quelque chose, ben voilà. Après, il y a certaines choses que je peux comprendre, quand tu as un rendez-vous urgent que tu peux pas faire autrement, évidemment je vais accepter de changer. Mais quand c'est des moyens de garde, d'enfants ou autre, enfin tu sais ton planning, voilà, moi je pars du principe que quand tu sais ton planning, t'es vite, je reviens, je reprends le café, t'es vite, voilà, de demander, tu fais en fonction. Là, contente, j'ai réussi à avoir les places de concert, je vais aller voir Christophe Maé, yes, grâce à une collègue qui m'a envoyé vite un message pour que je les achète, 28€ les places avec mon boulot, et du coup on y va au mois d'octobre avec ma mounette, donc ça va être génial, j'espère. Je redisparais. Donc je ne savais pas les dates et tout, et puis en plus, comme vous savez, je suis dans la restructuration de ma vie en permanence. Je vous ai dit que j'allais écrire un livre, je vous ai dit que j'allais le faire, mais je vais le faire, hein, parce que là, franchement...
Et comme je cherche une maison, ma priorité, c'est ma maison, c'est ma fille. Mon travail, il y a une restructuration, il va y avoir 6 postes qui vont être supprimés, mais bon, du coup, je ne sais pas si je vais rester en pédiatrie, je peux être ailleurs, je ne sais pas. Donc j'ai dit pour cette année, non, à mon plus grand regret, mais bon, bah, ma passion passe après, le reste, hein. Voilà, c'est un divertissement. Alors moi, j'aurais dit oui, pourquoi? Pourquoi? Donc si vous voyez peut-être l'année prochaine le faire, de toute façon, je viendrai vous en reparler, mais si j'aurais dit oui, c'est pour le partage, c'est pour... Que voir les autres youtubeuses qui allaient là-bas, voir Nicole, voir toute YouTube, toute la compagnie L'Oréal comme Karim que je suis en tant que maquilleur, que je suis sur Insta, je suis partout, que j'aime beaucoup, et rencontrer toutes ces personnes-là, le partage, c'est surtout ça, en profiter et apprendre, bien évidemment, hein, on est toujours dans l'apprentissage, mais c'est vrai que c'est surtout pour ce partage. Donc en tout cas, merci beaucoup Nicole de me l'avoir demandé. Et puis ben, pour toutes celles qui vont y aller, et ben, éclatez-vous, profitez-en. Et je sais que j'aurai des retours de certaines personnes qui me diront, et je suis super contente, j'espère qu'elles vont être prises et qu'elles vont aller jusqu'au bout, parce que franchement, je me frappe là, on peut peut-être vivre ça qu'une fois dans sa vie. Donc voilà. Sinon, ben, ça c'est bon. J'ai envie de tout dire. Donc on va peut-être passer à des produits. Je vais vous montrer des placements de produits. Non, c'est faux, c'est les miens. Donc voilà. Alors... Pour commencer, je vais vous saouler. Ah si, je voulais vous dire un truc. De toute façon, moi, je vais vous saouler quand même. Cette année, ça fait 5 ans. Je ne l'ai pas crié haut et fort. J'ai rien fait du tout. Pourquoi? Parce que je vais le faire pour Noël. Ça fait 5 ans que je suis sur YouTube. Oui, une vieille de 5 ans. Elle est là, encore, présente. Ouh. Et peut-être encore, et peut-être pas, je sais pas, on verra l'avenir. Mais en tout cas, je voulais vous dire, ça fait 5 ans. Donc je vous remercie vraiment, mais alors vraiment au plus gros, vraiment, de me suivre énormément, que ça soit vous mes abonnés, que ça soit toutes les youtubeuses avec plusieurs chaînes, hein, voilà, plusieurs chaînes, plusieurs nombres d'abonnés, diverses grandes chaînes, petites, moyennes. Je vous remercie vraiment pour tout ce que vous m'apportez, et c'est vraiment super. Et j'ai décidé, comme Noël va arriver, vous savez, c'est pas trop ma période, mais cette année, j'essaye de bien l'apprendre parce qu'en plus, j'ai ma fille et je suis contente. J'ai décidé de vous faire un seul concours. Je ne peux pas me permettre de faire plusieurs concours sur tout le mois de décembre parce que, je vais être honnête avec vous, financièrement, c'est pas possible. Et puis, les frais de port, imaginez un cadeau tous les jours envoyé. Je vous explique pas les frais de port. Hein, vous savez tous les colissements. Vous allez dire, oh, la radine et tout. Non, c'est pas la question. C'est que moi, c'est avec mes propres moyens. Sachant que quand j'en ai parlé comme ça, je vais avoir des partenaires avec qui je suis déjà, qui sont venus à moi quand j'aurais dit que ça faisait 5 ans et que j'allais faire un concours. J'ai pas demandé, quoi. Et ça m'a fait plaisir. Ils m'ont dit, on sera là avec toi. Et c'est génial. Donc, il y aura un cadeau. Donc, je reviendrai vers vous parce que je ferai une vidéo pour vous présenter. Il y aura un gros cadeau avec plusieurs petits cadeaux dedans. Et je voudrais l'arrêter donc le 19 décembre et que ça parte le 20. Il faut que je regarde comment que ça tombe pour que la personne, la gagnante, l'heureuse gagnante le reçoit. Sachant que vous savez très bien que je vous fais très régulièrement des concours. Là, j'en ai refait encore un sur ma page, mais sur Insta, même quand j'arrive à avoir de mes partenaires quelque chose pour vous l'offrir, je fais très régulièrement. Mais là, j'ai décidé pour mes 5 ans de faire vraiment un gros cadeau. La gagnante, c'est sûr qu'elle sera heureuse. J'en suis désolée pour les autres, mais vous savez, j'essaye de faire au mieux. Donc, je tenais déjà à vous dire. Donc, là où je vais vous saouler, oh, si je le casse, je vais plus vous saouler, c'est avec ça. Je vous ai saoulé avec... Attendez, je reviens. Je vous ai saoulé avec ça. Donc, ça, de toute façon, ça ira dans le cadeau. Parce que franchement, moi, c'est... Je vous mets que des choses que j'aime. Hein. Donc, ça sera ça. Et ensuite, ça sera ce casque-là que j'ai acheté chez Action. Donc, vous allez voir, il y a une vidéo haul Action qui arrivera cette semaine ou la semaine prochaine. Et c'est un casque Bluetooth. Vous pouvez connecter avec votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur s'il fait Bluetooth, enfin avec tout, voilà. Donc, il est vraiment top. Et en plus de ça, vous avez un micro. Donc, moi, je réponds avec quand j'ai au niveau de mon téléphone. Alors, j'ai pu le tester au niveau de distance. Quand même, il porte quand même assez loin. Par contre, au niveau micro, je l'ai testé avec une copinote, on s'est appelé là dans la semaine, et elle m'entendait pas trop. Mais comme j'ai un réseau pourri chez moi, donc voilà, parce que je l'ai testé avec une agence immobilière, et elle entendait bien, je l'entendais bien, mais en tout cas, pour moi, c'est un coup de cœur, ce casque-là de chez Action. Voilà, il est au prix de 15 euros.
hein, donc quand même, tout le monde ne peut pas mettre non plus 15 euros, ça je peux le comprendre, mais je trouve qu'il est vraiment top, il existe en plusieurs couleurs, donc moi, quand je vais vous le reprendre, je vais vous reprendre en noir. Donc ça, il est vraiment top, je regarde mes vidéos, je regarde mes séries, je regarde là, Le Meilleur Pâtissier, leur chaîne sur YouTube, parce que du coup, bah, j'ai loupé pas mal et je suis contente, je me suis abonnée à leur chaîne. Quand je vous dis que je suis sucrée, hein, donc sweet, hein, donc j'adore tout ça. Voilà, voilà. Toujours en restant chez Action, j'ai enfin trouvé un cordon USB, micro USB câble XXL, 2,5 mètres, le gars. Oui, donc qui peut faire smartphone, tablette, caméra, computer, USB, micro USB, voilà, le truc, il est en rose. Bon, il est en rose, je le voulais en noir, mais il n'est pas en noir, donc voilà. Et hier, en regardant Snapchat, je suis Jerem Star. Oui, je suis Jerem Star, il est ce qu'il est, mais bah, moi, il me fait rire, il me détend, et bah, y a, voilà, hein, chacun regarde ce qu'il veut. Et du coup, son chauffeur Uber, il l'appelle Puputin, Laurent, inspection du costume. Il y a des cordons qui servent, du coup, pour enrouler, et le fil ne s'enroulera pas. Donc, je me souviens plus du nom, je me souviens plus, donc il faut que j'aille voir. Donc celui-ci, je l'ai pris 2,5 m, hein. Donc ça va bien me servir, voilà, il me sert d'ailleurs déjà. Ensuite, toujours à Action, je ne l'ai pas mise parce que je voulais vous la montrer. Vous savez, la montre à 1,99€, donc en fait c'est du plastique, elle se présente comme ça. Et quand vous allumez, donc ça vous met l'heure. Hop, il est quelle heure? Il est 12h03. Ah, faut que je me dépêche, 12h03. Vous savez que je filme toujours en avance, faut que je me dépêche. Et du coup, j'en ai repris donc une pour mettre bien sûr dans mon concours. Moi, je l'adore. Par contre, elle est très difficile à régler. Hein. Donc, il faut appuyer 3 secondes, ensuite 2 et tout. Très difficile à régler, mais en tout cas, elle est top. Et je voulais vous montrer justement, elle existe en d'autres couleurs. Donc là, c'est un verre d'eau. Là, c'est en blanc. Et là, c'est en rose. Donc là, c'est Peter Pan qui me les a achetés. Donc, il a adoré. Il en a pris une. Il n'arrive pas à la régler. D'ailleurs, il m'a dit, il faut que je te la passe pour que tu la règles. Ah, t'es mignon, hein. J'ai mis une plombe à la régler. Maintenant, il faut que je te la règle. Mais oui, chérie, je vais te le faire. Sinon, je voulais vous montrer les déglingos. Qu'est-ce que c'est, les déglingos? Alors, ça, c'est génial. Enfin, moi, j'aime bien. Je suis une gamine. Hein. Je suis une enfant encore. Donc, c'est une bouillotte. J'adore. En fait, pourquoi une bouillotte, j'ai voulu, donc ça s'appelle, vous voyez, les déglingos. Quand je suis allée avec Fred, il m'a dit que ça ressemblait à un jouet pour chien. Elle était morte de rire, la pharmacienne. Moi, je rigole un peu moins, mais lui, il était mort de rire. Voilà, donc la bouillotte se trouve à l'intérieur. Il y a de la lavande dedans, des grains de riz qu'on met au micro-ondes. Donc, ça se détache ici. C'est lavable, ça en machine, ça à la main, tout ça. Et on met ça au micro-ondes. Ce que j'ai aimé, c'est qu'elle était plate. On peut le mettre sur le ventre. Donc, regardez-moi ça, c'est trop mignon. Les déglingos, il y en a plein. Et en fait, c'est pour moi, j'ai une colopathie fonctionnelle, pas du cul, mais en fait aussi pour ma nénette, même pour les douleurs au niveau des règles, pour vos ados, les jeunes filles, même pour moi, hein, donc dans les reins ou autre, ou même si comme t'as mal là, au cervical et tout. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Je crois que je l'ai payé 15€, mais je l'ai trouvé vraiment mais trop top. Et en fait, bah, c'est un nounours, mais quand on emmène ça quelque part, je trouve que c'est sympa, quoi. Et puis même, ça peut soulager au niveau de vos enfants ou autre, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Je tenais vraiment à vous en parler parce que j'aime beaucoup les déglingos. Un retour produit que je vous déconseille d'acheter. Oui, comme d'habitude, tous les lundis, je rôde. Dans le lundi, viens boire un café avec moi. C'est la nature, excusez-moi, pardon. Qui ne rôde pas, qui ne pète pas. Qui a pété? Du coup, ça élimine les points noirs, nettoie les pores en profondeur. Moi, ça m'arrache le pif, c'est tout ce que ça fait. Il n'y a vraiment que Diadermine que j'adore et Nivea. Si vous connaissez d'autres marques de page qui sont top, allez-y. Lisa les a essayées, elle me dit « Maman, c'est nul !» Bon, je vais quand même tester. Alors, ça et Sephora, je n'aime pas, donc il en reste deux. On va les faire quand même. Ensuite, j'ai pris à Action ces petits snacks-là. Vous allez voir bientôt, je vais recevoir une box. C'est la chaîne Call of Beauty qui en a parlé. Enfin, moi, j'ai découvert grâce à elle une box où on reçoit des snacks. Alors, c'est pas cela. Hein. On les commande sur leur site et c'est nous qui composons notre box. Et comme je vous ai parlé lundi dernier de ma nutritionniste que j'avais droit à des fruits secs, du coup, bah, j'en profite bien. Donc, mais je vous en reparlerai de la box. Voilà, j'ai pris ça chez Action et ça, c'est ma life secret à qui je fais plein de gros bisous. J'ai fait une collaboration dans Paillettes et Gourmandises qui les a pris chez Action. Et en fait, je me suis dit, allez, je teste.
Donc là, c'est des chips à la noix de coco, j'ai pas testé. Là, c'est des chips pommes. Là, c'est des chips fraises. Et là, des chips pêche. Je vous les présente aussi dans mon haut l'action. J'ai goûté poire. Alors, poire, j'ai pas trouvé que ça sentait la poire. Par contre, la consistance et tout, ça m'a fait trop bizarre. Mais bon, j'ai bien apprécié quand même. Donc, en fait, ils sont sans colorant, sans arôme ajouté, sans conservateur, sans gluten, sans graisse ajoutée, sans graisse insaturée. Il n'a pas été frit, il n'a pas été cuit. Il est sans OGM, hein, le gars. Et ben, je peux vous dire que si c'est pas top, je n'ai pas goûté les autres. Je peux pas vous dire vraiment ce que ça vaut. Évidemment, les glucides, 83 grammes, dont du sucre, il y en a 63 grammes, hein, j'ai envie de te dire. Mais bon, ah, je croyais que c'était melon, non, c'est pêche. Donc, voilà, on va tester. Poire, ça passait bien. Ensuite, un autre produit, avant de vous parler de ma petite déco Noël, j'ai acheté chez Arco Pharma, c'est Eschacolticia. Mon gars, si t'arrives à comprendre. Tiens, c'est ça. Voilà. C'est pour les troubles de nervosité et troubles du sommeil. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, quand tu n'arrives pas à dormir ou autre, bah, au lieu de prendre des médocs chimiques, des fois qui t'aident bien quand même, hein, parce que tu n'as pas vraiment le choix, et bah, tu te diriges vers ça. J'ai essayé le phytose. Alors pour moi, c'est comme si je pissais en l'air, parce que ça ne me réussit pas du tout, les phytoses. Moi, ça ne marche pas du tout. Même si tu prends toute la boîte, ça ne marche pas. Faites pas ça, c'est une blague. Mais j'ai essayé, dormi, je sais pas quoi. N'achetez pas ce truc-là, mon Dieu. Vous pouvez l'acheter comme ça, mais vous êtes shooté le lendemain matin, c'est même pas la peine. Et ça, j'ai essayé ça pour vous dire qu'hier, donc il faut en prendre deux en mangeant, deux au coucher. Et ben ma foi, j'ai fait toute ma nuit. Je sais pas si c'est le destin ou pas, donc je vous en reparlerai. Pour celles qui l'ont déjà, dites-moi ce que vous en pensez. Et en plus de ça, enfant de plus de 12 ans, je suis pas médecin, c'est écrit sur la boîte. Une gélule le soir au moment du repas et une au coucher. Ben voilà, parce que, ben oui, les ados aussi ont du trouble de sommeil. Donc ça peut aussi les aider, c'est des plantes. Allez sur internet et... bien là. Et j'y suis allée, du coup, ben c'est... Y a pas d'effet secondaire et t'es pas dépendante de ça. Donc voilà. Et pour finir, je voulais vous montrer... ce que j'ai fait pour Noël dans ma petite chambre. Et souvent, vous voyez, au niveau de mes photos, ils sont en train de se casser la gueule. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je voulais les prendre un, deux, trois. Je voulais les présenter dans le hall action aussi. Alors, c'est un plateau qui se présente comme ça. Mais ça peut vous donner des idées de déco. Et j'ai acheté des rennes. Alors, lui, il est argenté. Trop beau. Lui, il est blanc. Je suis en train de tout défaire, je remettrai et je vous le montrerai. J'ai acheté une cloche, il y en a plein. Bon, j'en suis déjà une, ça en fait deux. Donc, il y en a plein des cloches comme ça. Et là, c'est en fait deux sapins avec deux pommes de pin. Mais il y a le Papa Noël et il y a le renne. Et je me demande si je ne vais pas en reprendre. Parce que de toute façon, ça me servira pour chez moi l'année prochaine. Donc, autant que je prenne maintenant aussi. Pardon. Oui, pour mettre à côté, c'est vraiment génial. Donc, c'est à pile. Je suis en train de bouffer toutes les piles de ma mère. Mais je lui en ai racheté, regardez, ça s'allume. C'est trop beau. Et ensuite, j'ai pris une guirlande toujours chez Action qui se présente comme ça. Alors, ça allume la dame aussi. Voilà, ça peut faire voilà, une boule de Noël. Hein. Et voilà, donc j'ai composé moi-même mon petit truc. Donc, j'avais envie... que ça soit aussi un peu Noël dans ma chambre. Et puis quand je vous prends des photos de mes make-up, j'avais envie de quelque chose un peu plus Noël, quoi. Et puis j'aime bien tout ce qui est lampe LED le soir, c'est top. C'est top, je suis en train de remettre ça là, parce que je voudrais vous montrer un peu ce que ça fait. Donc vous pouvez soit les laisser dans le plateau, bien évidemment, le laisser, voilà, ressorti. Donc voilà la petite composition et j'allume tout ça. Et je ne sais pas si vous voyez... là, derrière moi, j'ai acheté ici et il n'y en a plus. C'est parti à une vitesse et le soir, j'éteins tout. J'allume que mes petites lumières comme ça. Et en fait, elle change de couleur et puis c'est zen. Ça repose vraiment. Et en fait, je voulais vous parler d'une dernière chose parce que je vois par terre, j'y pensais plus. Vous m'avez redemandé. Alors... ce kit-là, je l'ai acheté chez Lidl, c'est pour faire les ongles. J'ai pas de retour pour le moment à vous donner. Là, je vais m'enlever mon gel semi-permanent. Donc, du coup, je vais voir si ça peut fonctionner, faire bien les ongles. Et ça, j'aimerais vous redire. Mais vous m'avez demandé, et je vous invite franchement à aller voir ce que j'ai pu faire déjà sur la pose du gel
semi-permanent, le vernis, pardon, avec la lampe LED, vous savez, la lampe qui est en forme d'arc, hein, donc LED, où je l'aime beaucoup, mais le seul défaut, c'est qu'on peut mettre que les doigts, on ne peut pas mettre le pouce, mais ça, c'est, voilà, ça se présente comme ça. Donc, je pense que je vous mettrai aussi dans mon concours un kit, parce que franchement, il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont fait confiance, qui ont été avec mon lien, qui ont été s'abonner aussi pour mon lien de parrainage. Et du coup, bah voilà, hein, je vous avais déjà fait un concours pour vous remercier. Je vous avais fait gagner à l'une d'entre vous celui-ci. Et celui-ci, on met toute la main dedans. Donc, vous m'avez demandé vraiment le retour. Franchement, j'ai rien de négatif à dire sur ces produits-là. Là, je vais recommander des vernis parce que c'est vrai que, avec le transport, du déménagement et tout, ils sont où d'ailleurs, je sais même, ils sont derrière. J'en ai pratiquement plus parce que j'ai dû en jeter. Pareil, comme il y a des changements de température dans le frigo, là, donc il faut soit les laisser au frais pour qu'ils soient bien ou en bas du frigo et tout. Puis en fait, moi, ça l'a pas du tout fait, mes vernis. Donc j'avais commandé aussi sur un autre site, c'est tout pour les ongles, mais je vais voir là parce que le site Plastiméa, ce vernis-là, je crois qu'il vient du site Plastiméa, je sais même plus. Tiens, bing, elle est partie. Elle. Ça m'énerve, j'ai oublié de mettre, vous savez, les petits trucs derrière là pour tenir parce qu'elles sont lourdes. Elles sont lourdes tout en étant légères. Enfin, bref, on les sent pas, mais elles sont, vous voyez, ça. C'est lequel le vernis? Non, c'est même pas le vernis plastimé hein, que j'ai mis là. Moi, je suis même plus où il est. Enfin, bon, bref. Donc, je vais aller voir ce qu'ils font et puis voilà. Donc, je vais en reprendre. En tout cas, franchement. Nickel. J'ai été partie sur celle de Péguissage, mais celle-ci était beaucoup moins chère. Donc, si vous voulez que je vous parraine, si vous voulez, le site est en barre d'infos. Il y a tout qui est en barre d'infos. Vous m'avez demandé... alors, je vous avais posé la question, mais j'ai eu sur 1000 vues, j'ai eu 2 personnes qui m'ont répondu. Donc, je sais pas. Par rapport au lundi, viens boire un café avec moi. Parce que moi, quand je fais un lundi, j'oublie l'autre, quelque part, des fois. Hein, voilà. Donc, je vous avais demandé, est-ce que vous voulez, là, tout ce que je vous parle des produits, que j'essaye de vous mettre ça dans la barre d'infos, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Voilà. C'est pareil pour mes All Actions, avec mon logiciel de montage, je ne peux pas vous inclure les prix à chaque produit que je vous présente. Donc, le All Actions que vous allez voir cette semaine ou la semaine prochaine, j'aime pas trop parce qu'en fait, les prix, je vous l'ai dit, mais ça coupe tout au niveau de la vidéo. Et c'est pénible avec mon logiciel de montage parce que je ne peux pas les inclure, donc il faut que je les mette en barre d'infos. Donc, c'est des choses que je vais faire. Voilà, donc regardez la barre d'infos parce que vous avez quand même plein d'informations, que ça soit sur le site iGraal, que ça soit sur le site iHerb aussi, vous avez des codes promo, enfin vous avez plein de choses que des fois je ne vous redis pas dans les vidéos ou que je ne pense pas, voilà. Donc dites-moi si vous êtes ok pour que je vous mette les produits que je vous parle du lundi, du moins il faut que j'y pense parce qu'avec tout ce que je vous présente, en barre d'infos, voilà, ça peut être utile pour vous. Et je pense qu'à partir du 1er janvier, je vais numéroter aussi les « Viens boire un café avec moi » et je vais me noter ça sur un agenda ou quelque chose. Et que je vais noter justement ce que je vous dis quand je vais être au montage. Je vais revisionner ma vidéo et je vais noter de quoi je vous parle. Comme ça, si on me redemande, je serai aussi vous le redire. Parce que souvent, on me redit, Dine, tu nous as présenté ce produit-là. C'était dans quelle vidéo? Et c'est franchement pas évident du tout. Bon, je rangerai une fois que j'aurai coupé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie vraiment pour tout, pour tout, pour tout. Alors, pour celles qui n'ont pas vu le début de la vidéo et qui voient la fin... Allez sur la page Sweet Dean Makeup, Made Gem. Là, vous pouvez mettre un pouce bleu si vous voulez. Et sur mon Instagram aussi. Et puis sur Twitter aussi. Puis sur Snap, on se retrouve sur Snap. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et puis je vous remercie d'ailleurs pour tous les snaps que vous m'envoyez. C'est vraiment génial. Il y a des fois, j'ouvre les snaps, ça s'en va. Je suis désolée. C'est un peu Snap qui est comme ça. Et j'essaye d'être là au maximum, d'essayer de répondre à tout le monde. Et si, franchement, j'oublie, revenez me dire, Dine, tu m'as pas répondu. Il n'y a aucun souci. Je vous fais plein de gros bisous. Passez vraiment une bonne semaine. Le smile, c'est ce qui est le plus important. C'est très difficile. Mais il y a toujours une raison à ce que vous vivez.
Et puis, raccrochez-vous, même si c'est à quelque chose. La fée clochette. Smile and Zen. Tu leur dis que toi aussi, tu les aimes? Hein? Qu'ils demandent de tes nouvelles? Ben oui. Oh, ben madame, elle dormait. C'est pour ça que madame, la chaîne youtubeuse, n'est pas venue dire bonjour à tout le monde. Hein? Elle dormait, Mimi? Ouais. On fait des gros bisous à tout le monde, à toutes les abonnées de Sweet Little Makeup et de Kaline. Et un gros bisou en particulier à sa mamie Gracia. Gros bisous, mamie. Allez, bisous, ciao.